Bonjour et bienvenue, je vais donc donner mon avis en début de vidéo par rapport à ce jeu qui vient juste de sortir, Redfall, et après vous allez voir, je vais faire un petit montage, à peu près une heure de coop en fait. Alors, c'est compliqué, donc je vais dire les bons côtés du jeu. Alors déjà le gameplay, tout ça, le gameplay est cool, le gameplay ça rappelle un peu un Borderlands, parce qu'il y a beaucoup de loot en fait, il y a bien sûr différents grades aussi d'armes, il y a différents types d'armes, donc vert, violet, or, etc. Avec des stats évidemment, des stats supplémentaires sur certaines armes de haut niveau en violet et en or et tout. Vraiment fun. Le gameplay avec les compétences et tout ça, avec le personnage, les interactions avec le personnage aussi, parce qu'ils parlent entre eux à chaque fois comme d'habitude. C'est très très Borderlands, ça marche très bien. Le côté ouvert, le monde ouvert en fait, est vraiment... est sympathique aussi. Il y a une bonne chose aussi par exemple, c'est qu'on n'est pas... forcé en fait à rester côte à côte. C'est pas genre une campagne de à la Halo où si vous allez un peu trop loin l'un de l'autre vous êtes téléporté en fait. Donc là non, en fait il y a quelqu'un qui peut rester genre au camp, à un refuge et genre faire ce qu'il veut, parler au NPC, pendant que l'autre est à l'extérieur en train de combattre à l'autre bout de la ville. Donc ça c'est vraiment vraiment cool, ce système qu'on n'est pas vraiment obligé de rester collé en fait les uns aux autres. Pour ce qui est des monstres et de la ville pour le moment, donc j'ai joué 4 heures en tout, j'ai fait 1 heure solo et après 3 heures en coop. Les monstres et tout ça, les vampires, les humains, sont cool. Les combats sont sympathiques. L'IA, elle est pas extrêmement futée non plus. Mais bon, honnêtement, elle a pas vraiment besoin de l'être aussi dans ce type de jeu. Parce que c'est pas comme si vous étiez à être genre stratégique avec de l'infiltration et tout ça. Non, c'est pas vraiment ça le jeu. Hein, c'est plutôt du bourrin. Vous allez vous tirer partout. Hein, comme j'ai dit, hein, c'est très très Borderlands dans ce côté-là. Donc ça va, les ennemis vous foncent dessus dès qu'ils vous voient. Donc c'est à peu près tout. Et vous combattez, bien sûr. Vous avez tous des différentes compétences entre les personnages. Et ça marche bien entre les personnages. Il n'y a pas vraiment de personnage, pour le moment en tout cas, de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment de personnage qui est cheaté par rapport aux autres. Tous les personnages en fait apportent leur lot de bonus, de caractéristiques et tout ça. Genre par exemple, moi j'ai Rémi qui est un support et elle peut diriger les ennemis vers son petit robot pour éviter que les autres se fassent toucher. Donc c'est très intéressant. Et après moi j'ai joué avec Shaina, un ami du Discord, qui lui jouait le sniper. Et honnêtement il se débrouillait très bien. Des fois il tuait genre tout un groupe d'ennemis en fait de loin, alors que moi j'étais encore à la traîne derrière. Et j'avais même pas le temps de jouer vraiment. Et on jouait en mode difficile, donc la difficulté minuit qui est là. Donc voilà, donc rien qu'avec deux joueurs en fait ça fonctionnait bien en fait. Le duo fonctionnait bien. Maintenant le jeu a des petit problème. Encore une fois, 2023, on sait toujours pas faire des jeux multijoueurs. Genre, des trucs tout bêtes. Il y a beaucoup de détails, en fait, qui vont nuire un peu à votre expérience. Par exemple, un truc tout con, marquer la carte. Donc, vous pouvez marquer la carte dans le jeu. Hein. Donc, vous ouvrez la carte, vous faites le bouton de la souris, de la molette. Vous marquez, vous mettez un marqueur. Mais vous pouvez aussi marquer les ennemis dans le jeu pendant que vous jouez, pendant que vous combattez. Et si vous marquez un ennemi, eh ben, ça enlève le marqueur de la carte. Voilà. C'est des détails, c'est tout con, mais bien sûr, encore une fois, les devs n'aiment pas tester leur propre jeu. Ça prend 5 minutes pour voir que c'est chiant, ce système-là. Donc du coup, bah, vous marquez plus. Au bout d'un moment, vous marquez plus du tout, parce qu'à chaque fois, il faut remettre les marqueurs. Donc voilà, ça c'est chiant. Après, encore des trucs tout bêtes. Par exemple, si vous voulez remplir vos munitions, parce qu'il y a différents types d'armes, comme j'ai dit. Donc il y a différents types de munitions, il y a au moins 6 ou 7 types de munitions différents. Donc pour récupérer toutes vos munitions, il faut les acheter. Et ben ce prix ne bougera pas s'il vous manque genre une balle, ou alors s'il vous manque tout votre stock de munitions. Voilà, c'est toujours le même prix. Donc voilà, encore une fois, payer plein prix juste pour récupérer 5 balles, c'est un peu con. Mais voilà, encore une fois, c'est un truc tout bête, mais ils ont pas dû y penser. Ben voilà, c'est des petits détails comme ça. L'interface est pas vraiment très agréable non plus, genre pour regarder les armes, équiper vos armes et tout ça. Vous allez le voir de toute façon dans l'heure de vidéo en coop. C'est pas très, c'est intuitif, c'est très bête et c'est pas agréable en fait de se balader dans l'inventaire. Donc c'est un peu ça le côté bête de l'inventaire et de l'interface en général. Après il y a des choses qui ne marchent pas vraiment. Genre par exemple là la baïonnette, j'ai essayé de la changer 7 fois, le skin de la baïonnette. Ça marche pas, c'est toujours celle-là qui apparaît apparemment, je sais pas pourquoi. Et maintenant on va parler des gros problèmes du jeu. Donc je vais vous montrer en fait le plus gros problème du jeu. Donc il est ici.
Alors, le joueur hôte conserve toute la progression des missions. La progression des missions n'est sauvegardée que pour l'hôte, car certaines d'entre elles sont optionnelles ou non séquentielles. Voilà. Et après, tous les autres joueurs conservent les niveaux du personnage, les compétences, les verrous de caveau, les armes, les munitions et l'équipement. Alors, je vais être franc, en 2023, pour un jeu qui se veut multijoueur, parce que honnêtement, jouer seul, ça va être chiant à jeu. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est 4 personnages extrêmement différents et qui se complètent en fait quand vous jouez ensemble. Donc du coup, jouer seul, c'est pas vraiment conseillé, hein. C'est pas, vous allez pas avoir le plus de fun, faut vraiment jouer à 4 en fait pour avoir le plus de fun. Donc là, vous avez un très très gros problème. On est en 2023, un jeu qui se veut multijoueur et qui ne conserve pas la progression de l'histoire sur quiconque sauf de l'hôte. Ça, c'est un problème. Donc pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi jouer à plusieurs du coup? Pourquoi jouer à plusieurs? Surtout que, si vous regardez les difficultés, il y en a une qui est cachée. Enfin, il y en a une qui est verrouillée, pardon. Eclipse, terminer le jeu dans n'importe quelle difficulté pour débloquer équipe. Eclipse. Donc du coup, moi j'ai envie de dire maintenant, ma question c'est, est-ce qu'il faut finir le jeu chez soi, en étant l'hôte? Ou alors, est-ce que finir le jeu avec des amis, ça fonctionne en fait, en rejoignant un hôte? Est-ce que ça fonctionne? Donc maintenant, je sais pas. Donc s'il faut... Genre, si je joue à plusieurs et qu'on fait toute la campagne sur une personne, cette personne-là va débloquer donc la difficulté supplémentaire, et s'il faut, les autres, non. Donc les autres vont devoir se retaper, le jeu en entier et finir le jeu de leur côté, ou alors à chaque fois, vous faites, si vous jouez à 4, ben vous faites 4 fois le jeu. Voilà, vous faites 4 fois le jeu. C'est... Voilà. Je sais pas pourquoi ça existe encore. Je sais pas pourquoi ça existe, ce système-là, où l'histoire n'est pas sauvegardée pour tout le monde. C'est tout bête. Il y a plein de jeux coop qui le font. Je vois pas pourquoi celui-là, non. Voilà, je vois vraiment pas pourquoi celui-là, non. Donc, ouais, pour le moment, je sais pas pourquoi on jouerait en coop. Voilà. Il n'y a pas vraiment... C'est fun, je suis sûr que c'est... Comme j'ai dit, hein, j'ai joué à 3 heures à peu près en coop. C'était super fun à jouer. Mais quand je suis retourné dans mon monde, j'ai vu que j'avais pas bougé du tout sur les missions et tout, parce que j'avais pas lu en fait ce message au début. Et j'avais plus vraiment envie de jouer, parce que du coup il faudrait que je joue de mon côté pour rattraper la différence que j'ai faite avec Shayna par exemple. Donc c'est un peu con, c'est très très con ce système. Donc ouais, et maintenant on va parler aussi d'un bug qui se produit apparemment, c'est pour l'hôte, parce que on l'a eu en fait avec Shayna et moi, on l'a eu ce bug, et apparemment j'ai vu que des gens sur Twitter l'ont eu aussi. Alors, en théorie, donc comme ils disent, si vous êtes l'hôte, votre niveau, votre compétence, vos compétences, vos armes, etc. et l'histoire est sauvegardée, et pour les autres joueurs, c'est tout sauf l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que Shayna, on a joué donc 3 heures en coop, il a tout perdu. Il a tout perdu. Alors j'ai quitté la partie. Alors moi j'ai conservé mon niveau, tout ça, je suis niveau 5, j'ai toutes mes armes et toute ma progression. Sauf que Shayna, quand il est retourné dans le jeu, il était niveau 2. Voilà, il était aussi niveau 5 quand on a arrêté de jouer en coop. Mais il est retourné niveau 2. Donc le jeu a pas sauvegardé du tout ce qu'on a fait pendant 3 heures de son côté. Yes, yeah, super. Et apparemment, j'ai vu sur Twitter aussi que des hôtes, donc ils hostaient la partie, ils ont perdu leur personnage. Le jeu a complètement effacé leur personnage. Donc voilà, ils ont complètement tout perdu. Donc, yeah, voilà. Alors après, moi, je jouais sur PC et les personnes que j'ai vues aussi étaient sur PC, sur le Xbox Game Pass, évidemment. Ça évite de payer le jeu 70€, parce qu'encore une fois, le jeu est 70€. Donc, ouais, genre, ne jouez pas en coop. j'ai envie de dire, en ce moment, ne jouez pas en coop. Attendez un fixe, attendez que quelque chose se passe. Parce que là, c'est quand même assez grave. Jouez solo pour le moment, avancez dans le jeu solo, je dirais, parce que vous avez une chance de perdre votre progression en coop. Et apparemment, de perdre aussi votre personnage, si vous jouez en coop. Donc voilà, je sais pas exactement ce qui trigger en fait ce bug pour le moment, mais de ce que je sais, c'est les gens qui jouent en coop, ils ont ça. Voilà, c'est les hôtes en plus, c'est les hôtes de la partie. Donc voilà, vraiment un problème. Après, c'est vraiment le seul gros bug, c'est un bug énormissime, mais c'est le seul gros bug qu'il y a dans le jeu pour le moment, en tout cas de ce que j'ai eu en expérience. Après, le jeu tourne bien, honnêtement, je suis sur PC avec une 1080 Ti, elle est vieille, honnêtement, la carte graphique, mais elle fait tourner le jeu extrêmement bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de... voilà, le jeu tourne bien, il n'y a pas eu de crash, aucun crash pendant mes 4 heures de jeu, c'est pas Star Wars. donc voilà, le jeu est potable de ce côté-là.
Mais ouais. Voilà, ça sera tout pour cette petite intro avec mon avis. J'espère que vous aimerez la suite. Encore une fois, le jeu est fun, mais est-ce que c'est du fun à 70€? Non. Honnêtement, non, pas du tout. Ça serait du fun à 40€, je dirais. Honnêtement, si le jeu était à 40€, je dirais ok, ça va, ça passe très très bien. Y a pas de problème. Sauf les bugs, évidemment. Mais 70€, non. C'est un triple A, c'est le prix d'un triple A monstrueux, 70€. Et c'est pas, ça les vaut pas du tout. Donc prenez-le sur le PC Game Pass. Il est sur le PC Game Pass jour 1. Donc prenez-le. Vous prenez un mois, 10€, un mois, je crois que c'est ça en ce moment. Donc amusez-vous sur le PC Game Pass. Honnêtement, amusez-vous sur le PC Game Pass. C'est très très bien le PC Game Pass. Ça évite les problèmes comme ça. Comme j'ai eu par exemple sur Wulong. Wulong, j'ai été extrêmement déçu du jeu au final. Et je suis content de ne pas l'avoir payé plein prix. Enfin voilà. En tout cas, je vous laisse avec la coop. Amusez-vous bien. À la prochaine. Dites-moi ce que vous pensez du jeu, vos expériences. Et si jamais vous avez eu des crashs ou des bugs. Encore une fois, le bug que je viens de dire. Dites-moi ça dans les commentaires. Et moi, je vous vois la prochaine vidéo. Ciao. Portez-vous bien. Ciao, ciao. C'est moi ou je vois de la fumée bizarre là? Il y a un vampire. Oh, attends, je vais tester ça. Oh, énorme. Oh, énorme. Je l'ai one-shot, gros. Avec quoi t'avais ça, juste? J'ai un lance-pieu. Uh-huh. Ah ouais, putain, ce machin, j'avais pas vu, quoi. C'est énorme. Il est gigantesque, le truc. Le jeu, il est difficile, hein. Le pire, c'est qu'on est en difficile. Bah ouais. Ah, j'attends de voir les gens. Mais si je j'y arrive pas, moi. Oh là là, c'est compliqué, hein. C'est trop dur, hein, trop dur. Faut jouer à 4. Si tu joues pas à 4, t'y arrives pas. L'autre, il peut arrêter de nous parler, là, tout le temps. Mais... Je crochette. C'est ouvert. Claqueur. Oh, pistolet. Putain. Quoi? Bah, flingue violet. Ah, tu m'as fait peur. Mais t'es où? J'ai marqué le coffre. Ah, j'ai plein de trucs sur moi. Pistolet de détresse. Pistolet de détresse tire un projectile incendiaire, rebondit sur le terrain et enflamme les éléments dangereux, les ennemis qu'il atteint. Le feu inflige des dégâts sur la durée et achève les vampires vulnérables. Les ennemis sont attirés par la fusée de détresse, ce qui est utile pour créer des distractions. Ah, cool. Cette île m'a pas encore tué. C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai des crochetages. Du cidre. Il y a plein de types de... Oh putain, mec. Bien vu. Il y a plein de différents types d'armes qui font plein de trucs différents. Ça, c'est sympa. Ah, c'est... Ouais, ça a l'air pas mal de ce côté-là. Là, j'ai un pistolet électrique. Chaque balle tirée, une arme, 10% de chance d'électrocuter les cibles touchées sans effet... Il y a plein de trucs destructibles à utiliser pour tout faire péter. Batterie, machin, et tout. Il y a plein de trucs. Les armes sont sympas aussi, je trouve. Mm-hmm. Il y a encore des cons devant. Ouais, ils respawn. Bellwether. Ils m'ont vu ? Ouais. Tu t'en complètement vu, gros. Bah, j'ai pas, bon, ils m'ont pas tiré dessus en tout cas. Hein. À aucun moment ils m'ont tiré dessus. Comment là? De quoi? Putain, c'est quoi ça? Ouais. C'est sur moi ou je rêve? Non. Pourquoi je clignote? Quoi? Je me vois clignoter. Là-dessus? Sérieux? Oui. Attends, je m'éloigne un peu de toi, bouge pas. Mon dieu.
Bah oui, c'est sur moi. Ça tue. Je peux te faire... Tu peux devenir une bombe humaine. Ouais. Mais oh, donc, il n'y a pas de dégâts de... Il n'y a pas de friendly fire. Ouais. Ah, ça tue. Il y a des gens, là. Faites gaffe. Un vampire. C'est un vampire, ça? On dirait, mais... Mort parmi nous, mais les autres sont dans... Très bizarre. Attends, je veux tester mon truc du V, moi. Ouh, c'est pas un truc normal, ça. Non, il y a un truc bizarre sur sa tronche. Poche de sang. Wow, ça l'a mis en pierre. T'as vu, ça tue. Il se glisse partout, sauf sur les barbelés. C'est quoi qui se glisse partout? Le vampire? Je sais pas. Peut-être. Ah, il dit des trucs chelous, ton mec. Comprends pas. Chelou ton mec. Voilà, tu as le parc en espagnol, mais bon. À chacun son truc. Ah merde, mais du coup c'est plus marqué. Ouais, c'est plus marqué. Ah, c'est relou, hein. Ça c'est très con, oui. C'est extrêmement con. Alors le marquage de la carte, c'est le même marquage que des cibles, quoi. C'est un peu con. Coffre, gros coffre. Oui. Kit de recablage. Le coffre de la voiture. Putain. Ça va me rendre fou. Je savais que t'avais pas compris. Ça va me rendre fou. Bellwether, ces trous ducs sont encore là. Il y en a d'autres, je crois. Sûrement. Sniper. Oh oui, il y en a d'autres, ouais. Ah oui. What the fuck? Ah, c'est mon C4. J'ai tué tout le monde? Ah bah j'ai pris cher, hein. Non mais ça va, je peux te soigner. Ah oui, t'as tué tout le monde, gros. Ah, ça pète, beau travail d'équipe, ouais. T'as tout fait péter. Bah je crois que t'as tué un civil, par contre. Mais non. Je crochette. Merci. Mais non, c'est pas moi qui ai fait ça, si. À mon avis, si. Hein. Allez, dégâts collatéraux. Putain. C'est vrai que ça fait une putain d'explosion. Ah, vache. Refus sécurisé. Ah ouais, on l'a bien sécurisé, hein. Ah ouais, de ouf. Hein. Y'a un mec en haut. Ouais, y'a un vampire. Qui s'étire. Oula, je sais pas ce que c'est, gros. Hein. Je sais pas ce que c'est, gros. Attention. Wow, ouais, ça te balance des boules. J'arrive pas à le toucher. Je sais pas où il est. Sur moi. Non, sur moi. Il fait tout noir. T'as pris une boule? C'est un peu spécial quand même comme combat là. Tiens, brûle. Voilà, très bien. Ouh, tu brûles bien. Ouh, t'aimes pas les... Ah, il aime pas trop, ouais. Ouais, ça peut être bien, éventuellement. Putain. Ah, il était mort. Joli. Oh. Encore une mine. C'est pas mal le lance-fusée là. Ah, c'était un pistolet de détresse là, ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. C'est quoi ce mec? Quel mec? J'ai repéré une sangsue. Ah. Oh. Mais bah, c'est pas une sangsue, t'es conne ou quoi? Arrête! C'est juste un humain. Une horreur voilà, de moins à nos basques. Ah, mais dit n'importe quoi. Mais en plus, c'est marrant parce que c'est vraiment. En fait, c'est mal codé, hein, parce que elle l'inverse tout le temps.
C'est pas genre des fois, c'est tout le temps. J'ai de l'aggro. Il y a un truc laser là, ou un sniper qui nous tire dessus. Ouais, un sniper vampire qui fait mal. Très mal. Bien joué. Oui, et so. Oh. Putain, culé. Oh, t'étais pas obligé d'utiliser, hein. J'en ai. Hein. Bah, merde alors. Surtout que tu m'as dit que t'en avais plus beaucoup, alors. Garde-les. J'ai repéré un refuge. Oh putain. Là. Sensu en vue. C'est marrant ces trucs. Eso, estás brutal. Brutal? Brutal.